pense que maintenant, certains veulent aller voir comment la cérémonie des JO ce soir, voilà, qu'ils soient à l'heure devant leur télé. Donc, nous sommes là à l'appel du Nouveau Front Populaire et plusieurs partis, associations, membres ou soutiens du Front Populaire ont relayé l'appel. Le PC, le PS, la LFI, la LDH, la Libre Pensée, les écologistes, s'ils le disent, ils l'ont fait. bon, ils ne l'ont pas fait. L'association populaire d'Auxerre, Extinction Rébellion Auxerre et l'association populaire de Lyon, Assemblée populaire de Lyon, pardon, nouvel assaut qui vient d'être créée. Voilà, donc, nouveau collectif, pardon. Donc chaque, alors je vais pas dire assaut, je vais dire chaque partenaire, chaque organisation qui souhaite prendre la parole. Je propose qu'Adrien, comme c'est toi qui as fait la démarche, tu commences pour la LFI. La réunion des responsables de parti, ce 23 juillet, a permis la proposition d'un nom de candidat du Nouveau Front Populaire. 16 jours après le résultat des élections législatives qui ont fait de notre coalition la première force à l'Assemblée nationale. Elle présente au président de la République de nommer première ministre Madame Lucie Castet. Animatrice de lutte associative pour la défense et la promotion des services publics, activement engagée dans le combat d'idées contre la retraite à 64 ans, haute fonctionnaire ayant travaillé à la répression de la fraude fiscale et de la criminalité financière, issue du monde associatif, elle sera forte de notre engagement complet à ses côtés dans le gouvernement qu'elle dirigera. Quelques heures avant la prise de parole du président, une fois de plus, le Nouveau Front Populaire a pu déjouer la manœuvre de désespérance à laquelle comptait se livrer Emmanuel Macron. Tout était en place pour qu'il prenne prétexte du blocage de la gauche pour s'attribuer le délai de la trêve olympique, en s'attendant à ce que les partis se mettent d'accord pour créer une coalition majoritaire. Il refuse de reconnaître le résultat et il veut nous imposer de force son nouveau front républicain avec lui. Il n'en est pas question. Pas de trêve olympique pour le groupe de la France Insoumise qui met en place une commission d'enquête populaire sur les implications sociales, économiques et écologiques des JO 2024. Au cours de cette enquête, nous auditionnerons les décideurs publics, les collectivités locales, les acteurs, les responsables et les usagers de services publics, les associations et les syndicats, bref, tout le monde. Pourquoi ? Ce modèle des JO est organisé par les CIO n'a plus rien à voir avec la cohésion et le plaisir du sport. Ils consacrent le sport au business. Pire, ils exacerbent les travers et les dérives de la politique d'Emmanuel Macron. Population expulsée et paupérisée, restriction des libertés publiques, enfermement multiple, contrats opaques avec des multinationales, dérogation au droit du travail, dégâts écologiques, retombées quasiment nulles pour le sport populaire. Par ailleurs, je soutiens également totalement Thomas Porte dans son combat pour la Palestine. Les athlètes israéliens doivent participer aux Jeux sous bannière neutre. N'oublions pas ce qui se passe à Gaza. Le massacre est toujours en cours pendant que Macron invite Netanyahou à Paris. L'heure du peuple peut venir désormais. Macron devra céder car il n'existe pour lui aucune échappatoire. Sa coalition de rechange avec la droite, LR, ne peut pas se tenir. Il doit et il va céder parce qu'il ne peut rien faire d'autre sans assumer l'ouverture de la crise de régime qu'il a déjà fait mûrir à grande vitesse. Le gouvernement se déclare démissionnaire pour que les ministres aillent choisir le président de l'Assemblée nationale. Le principe de séparation des pouvoirs est bafoué. Quand le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, toujours en fonction, deviennent respectivement président du groupe du parti présidentiel et du groupe Modem, la démocratie républicaine se verrouille. Quand le parti macroniste discute d'un pacte législatif avec le parti de droite pour construire une petite majorité relative à l'Assemblée nationale, alors qu'avant la dissolution, ils constituaient à eux deux une majorité absolue, la République devient confuse. Quand tout semble bloqué à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République verrouille encore, bloque d'un double tour la porte d'une solution politique. Il décrète une trêve politique pendant les
remarquer que mardi dernier, il a remercié tout le monde. Organisateurs, athlètes, créateurs de la cérémonie d'ouverture des JO. Bien. Il a juste oublié une catégorie de personnes, les ouvriers. Ceux qui ont construit les bâtiments, les équipements sportifs, les métros, jusqu'au studio éphémère du lieu dont il parlait. C'est symptomatique. Cela dit tout de lui. Cela dit tout du mépris de classe. La maladie des institutions de la Ve République est visible de toutes et tous. Et le monarque, lui, retire encore de l'oxygène. Il va même jusqu'à critiquer, c'était mardi, hein, l'accord des partis républicains visant à refuser tout poste de responsabilité à l'extrême droite. En une phrase, il a dû encore faire gagner 1 million de voix au RN. Nous avons titré notre appel au rassemblement de ce soir « Pas de trêve olympique pour les mesures urgentes ». Et nous avons eu le courage inouï de poursuivre. Monsieur le Président de la République doit immédiatement nommer Lucie Castré Première Ministre. Oui, nous avons eu le courage de la nommer. Elle, dont le Président de la République a signifié, sans mentionner son nom, son refus de la désigner au poste de Premier Ministre. Elle, devenue la Voldemort de la Macronie et de ses alliés. Elle que, d'un revers de main, tel un roi, Macron refuse de rencontrer. En agissant ainsi, il a poussé les défauts de la Ve République jusqu'au paroxysme. Il a réduit notre République à sa caricature. Autoritarisme solitaire, refus de considérer les corps intermédiaires, mépris des citoyens, surdité en cri de désespoir et de souffrance, mépris de la rue comme du Parlement avec le recours à l'article 49.3. Contre tout règlement, le pouvoir s'est même permis, il y a quelques semaines, de réduire les dépenses de l'État de 10 milliards, comme ça, par décret, sur un budget déjà imposé par un 49.3. Mais derrière la crise de régime, il y a bien la crise du système économique dans lequel se renforce la lutte entre classes sociales aux intérêts totalement antagoniques. Et loin des présentations fantasques du grand complexe médiatico-politique, la violence de cette lutte de classe se déroule sous nos yeux. Quand les mandataires du capital, des macronistes à la droite et à l'extrême droite, refusent de reconnaître que le nouveau Front populaire dispose d'un groupe de députés supérieur aux autres groupes. Tout cela afin d'empêcher l'augmentation du SMIC et des bas salaires et une nouvelle fiscalité plus juste mettant à contribution les grandes fortunes et les actionnaires possédants. Pourtant, l'urgence sociale gronde. Elle déferle au sein des classes populaires. Elle va des premiers de corvée aux professions intermédiaires, d'une grande partie des cadres aux agents des services publics, jusqu'aux paysans travailleurs et à une fraction non négligeable des petits entrepreneurs. Des tréfonds de la société montent un cri strident. Travailler ne permet plus de vivre correctement et d'assurer l'avenir de nos enfants. C'est ce bruit qui a résonné dans le fond des urnes à 3 reprises en ce début d'été. C'est ce que tente de contourner le président de la République en aggravant chaque jour un peu plus les convulsions du système. Nous entrons peut-être dans la phase terminale de l'agonie. Et qui mieux que cette magicienne qui a réussi là où les autres avaient échoué, réunir sur son nom tous les partenaires du nouveau Front populaire pour euthanasier ce régime politique moribond et rompre radicalement avec le système économique et social qui a tant fracturé notre peuple. Elle qui saura, parce que c'est son métier, aller chercher là où il faut cacher les milliards d'euros de fraude fiscale nécessaires pour reconstruire nos services publics. Elle qui est une fervente militante féministe et environnementale. Elle qui coche toutes les cases pour piloter et mener à bien la mise en œuvre du contrat de législature du NFP. C'est peut-être pour ça que le petit Harry Potter Macron et ses amis n'osent pas prononcer son nom. Trop peur qu'il devienne célèbre, connu, reconnu, réclamé, acclamé. Il se leurre. Son nom, nous le connaissons tous et toutes, pas vrai? Lucie Castré à Matignon! Lucie Castré à Matignon! Lucie Castré
à Matignon. Lucie Castet, à Matignon. Lucie Castet, à Matignon. Lucie Castet, à Matignon. Lucie Castet, à Matignon. Un vote pour qui, non ? Qui va ? Voici un communiqué de la LDH. Adresse solennelle au président de la République. La LDH exprime son inquiétude à l'égard de la situation institutionnelle de la France. À l'issue des élections législatives provoquées par une dissolution. Et une mobilisation de l'électorat pour que cette décision n'aboutisse pas à donner le pouvoir politique à l'extrême droite, le président de la République a décidé de ne pas décider. Ces propos récents, arguant du déroulement d'une compétition sportive pour reporter la poursuite du processus institutionnel, sont à l'image du désordre qu'il a installé. Ainsi, d'un gouvernement démissionnaire dont les membres élus députés ont pris part au vote pour désigner des représentants de l'Assemblée nationale en retenant une interprétation discutable de l'article 23 de la Constitution qui interdit de cumuler les fonctions de membres du gouvernement et du Parlement, interrogeant sur une atteinte faite au principe de la séparation des pouvoirs, fondement de l'état de droit, de la démocratie et de la République. Ainsi du refus de nommer une première ou un premier ministre proposé par la coalition parlementaire qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Une atteinte à la pratique républicaine usuelle et au message des électrices et électeurs qui ont exprimé au second tour le clair rejet d'un gouvernement d'extrême droite. Après avoir placé le camp présidentiel en troisième position au premier tour, loin derrière la gauche. Mais plus encore de refuser de nommer une première ministre ayant charge de constituer un gouvernement présenté au Parlement, alors même que cette obligation résulte de l'article 8 de la Constitution, quand bien même celle-ci ne prévoit pas de délai. Inversant l'ordre des choses, le président invente un processus qui le ferait juge a priori de ce que majorité doit inclure et exclure. Avec une telle lecture de ses pouvoirs, le président pouvait s'autoriser à se passer de gouvernement jusqu'à l'issue de son mandat. L'absence de gouvernement de plein exercice laisse entre les mains du président de la République une concentration inédite de pouvoir politique dont il serait seul à déterminer la durée. Sans base constitutionnelle, ce choix va à l'encontre de ses responsabilités essentielles de chef de l'État qui veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Laisser perdurer une telle situation ne peut que conduire à une désaffection des électrices et des électeurs vis-à-vis de la chose politique. Après plus d'une dizaine d'années marquées par une brutalisation des institutions et de la démocratie, il est grand temps de restaurer un fonctionnement d'institutions démocratiques. La LDH, depuis toujours défenseuse d'un fonctionnement démocratique des institutions de la République, demande solennellement au président de la République de respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit, et à ce titre, sans plus attendre, dans son rôle institutionnel, de nommer une chef de gouvernement. Paris, le 25 juillet 2024. Donc nous demandons à Emmanuel Macron de respecter le vote des Françaises et des Français et de nommer sans attendre Lucie Castet, Première ministre. Emmanuel Macron doit arrêter sans délai ses petits arrangements politiciens pour empêcher le nouveau Front populaire d'accéder aux responsabilités. Alors, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, pendant l'entretien télévisé du mardi 23 juillet, Emmanuel Macron a pris soin de ne pas citer le nom de la Première ministre que nous proposons, mais il a quand même dit quelques mots en direction des Républicains. Faites attention, il a estimé que le pacte législatif proposé quelques jours avant, enfin, ou peut-être la veille par les Républicains, va dans la bonne direction. Et, évidemment, sur ce point-là, nous ne sommes pas du
tout d'accord. Quand ce document, donc présenté par les Républicains, a l'intention de défendre dans la séquence politique de la rentrée le contrôle de l'immigration, l'affirmation de l'autorité de l'État, la valorisation de la France qui travaille, et donc des mesures antisociales, mais aussi c'est un pacte proposé par les Républicains qui a l'air de tenter Emmanuel Macron, qui est un pacte anti-écolo. Dans ce pacte, il y a plusieurs points. Il y a la suppression des normes qui entravent la compétitivité. Donc au niveau de l'agriculture notamment, c'est donc supprimer les entraves, les clauses miroirs des accords de libre-échange, la limitation des recours. C'est aussi réviser le plan éco-phyto. Voilà, c'est des mesures anti-écolo qui ne vont pas dans le bon sens. Et il y a aussi des mesures par rapport à la transition énergétique qui font l'impasse sur les énergies renouvelables. Le président de la République est censé être le garant de nos institutions. Et à ce titre, comme l'a dit la DA tout à l'heure, il doit respecter l'esprit et la lettre de nos institutions et de notre Constitution. Respecter la lettre, c'est reconnaître et tenir compte des résultats. Il n'a pas tout à fait fait dans son interview, puisqu'il reconnaît quand même que son plan a perdu des sièges, en même temps difficile de faire moins que ça, mais il poursuit en disant « personne n'a gagné ». Ah bah désolé, en démocratie, quand une coalition arrive devant les autres, elle a gagné. Donc oui, le nouveau Front populaire a gagné les élections, puisque c'est la première force, la première coalition à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, l'esprit des toujours respecter la lettre, c'est nommer un Premier ministre comme lui impose la Constitution. Maintenant, l'esprit des institutions, nous sommes la coalition arrivée en tête. Dans toute démocratie qui se respecte, et quand on regarde les autres démocraties européennes, c'est comme ça que ça se pratique, la coalition qui est arrivée en tête, même si elle n'a qu'une majorité relative, le président l'appelle au gouvernement et lui demande de constituer une majorité. Charge à elle de trouver cette majorité et de trouver les majorités pour les différentes réformes. Or, ce n'est pas ce que fait le président de la République aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout ce qu'il fait non plus, puisque s'accorde du prêt, président olympique. Alors, je suis amateur des Jeux olympiques, et comme certains, je vais les regarder. Mais je n'ai pas vu dans la Constitution que la trêve olympique donnait un délai supplémentaire au président de la République. Et du reste, c'est le président qui a dissous. L'autre, au sortir des européennes, il savait qu'il y avait des Jeux olympiques en France. C'était pas un truc imprévu qui lui est tombé dessus. Donc c'est lui qui est responsable de cette situation, c'est à lui de gérer cette situation. Et par ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'il joue sur les délais. Et comme je suis très unioniste, je vais citer la proposition de loi de nos camarades sénateurs communistes qui veulent déposer une proposition de loi pour justement contraindre les délais d'un gouvernement qui expédie des affaires courantes. Car ce n'est pas normal d'avoir pendant tout ce temps un gouvernement qui expédie des affaires courantes. On parle de trêve olympique. Est-ce que pour ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, il y a la trêve cet été? Non. Est-ce que pour Gaza, il y a la trêve aussi également? Est-ce que pour le changement climatique, il y a une trêve? Non plus. Donc, il faut sans attendre que le président de la République prenne ses responsabilités et nomme Lucie Castet la candidate du nouveau Front populaire à Matignon. Nous, au niveau du PS, et ça je l'ai relayé sur la boucle WhatsApp que nous avons émis une pétition. J'imagine qu'il y a d'autres forces politiques ou d'autres forces syndicales ou associatives qui l'ont fait. N'hésitez pas à relayer et à signer ces pétitions. Nous devons faire pression sur le président puisqu'il refuse de prendre ses responsabilités de lui-même. Nous devons le forcer à les prendre. Pourquoi ce gouvernement a-t-il démissionné? Parce que la démocratie, les élections au suffrage universel de nos représentants à l'Assemblée nationale ont exprimé trois choses. Le rejet du projet mortifère de l'extrême droite, le refus de l'extrême droite soit majoritaire et gouverne. Le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, sa continuation. Et puis surtout, la volonté d'un changement de politique pour le bien commun de tous les citoyens en plaçant le nouveau Front populaire en tête. La majorité est en tête. Le sujet n'est pas là. Article 8 de la Constitution en vigueur depuis le 5 octobre 1958. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Certes, on a
Et comme tout texte de droit, il y a des interprétations, des avis. Or, il se trouve que le président de la République s'est décrété spécialiste de tout, au point de cumuler depuis 2017 pratiquement toutes les fonctions exécutives et de spécialiste. Et donc, le voilà premier constitutionnaliste de France en décrétant « le sujet n'est pas là ». Et donc, voici son interprétation. Le président de la République nomme le Premier ministre quand moi, Emmanuel Macron, je le veux. Le président de la République nomme le Premier ministre, sauf si les JO sont organisés en France, et on verra après, on va regarder partout les Jeux Olympiques. Le président de la République nomme le Premier ministre. J'ai l'impression que les députés ne vont pas s'entendre pour faire la politique qui me convient. Voici l'article important et supérieur de la Constitution qui devrait guider toujours un président de la République, l'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement équilibré des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. En d'autres termes, M. Macron n'exerce pas le rôle d'arbitre que lui ordonne la Constitution. Drapé dans son costume d'arbitre, il est en réalité un joueur. Un très mauvais joueur. Il joue avec l'état de droit. Voici quelques extraits d'une tribune d'un professeur de droit public paru dans Le Monde aujourd'hui, ce matin. L'erreur voudrait que le président soit, quant au remplacement d'un gouvernement démissionnaire, le maître des horloges sur le long cours. Il n'en est rien. Notre Constitution n'impose certes pas de délai précis pour nommer un nouveau Premier ministre lorsque le précédent démissionne. Elle oblige néanmoins le président à assurer la continuité de l'État. Enfin, ce qui implique de favoriser promptement l'émergence d'un gouvernement dans le plein usage de ses facultés. Par quoi la Constitution mérite d'être comprise comme prohibant le maintien d'un gouvernement sous respirateur artificiel, sa mort reconnue doit susciter au plus vite la naissance de son successeur. En somme, il revient aujourd'hui au président de la République de prendre ses responsabilités en choisissant sans délai un nouveau Premier ministre. Il lui faut accepter l'aléa d'un jeu politique qui lui échappe partiellement de son fait. Monsieur le président de la République, nommez sans délai Lucie Castet comme vous oblige la Constitution. Nommez sans délai Lucie Castet comme vous oblige la Constitution. Nommé sans délai, Lucie Castet, comme vous oblige la Constitution. Ce soit temps. Ouais. Et en fait, je crois qu'il faut se réjouir d'être tous là, même si bien sûr on aurait préféré être 300. Mais ouais, c'est bien comme ça. Et je voulais vous rappeler une citation que j'aime bien, qui était celle d'une activiste écologiste états-unienne, mais excusez-moi, je ne sais plus laquelle, qui a dit. Ne croyez pas, c'est une double négation, hein, va montrer qu'on est super intelligents les militants. Donc ne croyez pas qu'un petit groupe de personnes déterminées ne puisse pas changer le monde ou la société. En fait, il en a toujours été ainsi. Ça a toujours été grâce à une minorité active de gens déterminés, comme nous le sommes aujourd'hui, qui décident d'entreprendre des actions volontaires, souvent novatrices, déterminées, parfois désobéissantes, qui ont permis de changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes plus de 60 à Auxerre, mais partout en France, tout le monde est absolument révolté par ce qui est en train de se passer. Alors j'ai envie de vous rappeler aussi les paroles d'un, ou en tout cas le sens de l'engagement d'un autre grand humaniste qui était George Orwell. Donc le principe de George Orwell, c'était de dénoncer les injustices et de refuser de céder à la peur. Voilà, la peur, elle est là partout dans avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, maintenant en absence de gouvernement, mais qui est quand même aux manettes. Et donc, c'est à nous de braver cette peur et de relever toujours le défi de l'humanisme et de l'inventivité. Donc, c'est super d'être là ce soir et merci beaucoup à toutes et à tous. Il faut continuer. Thank you.
Fin du monde, c'est le même combat. Si vous ne vous levez pas pour quelque chose.